Air France réduit ses pertes, mais navigue dans l'incertitude liée aux attentats en Europe. Les résultats publiés ce mercredi indiquent que le chiffre d'affaires ressort en retrait de 2,6% au premier semestre et de plus de 5% au second trimestre à 6,22 milliards d'euros. Parmi les raisons invoquées, un effet de change négatif en raison de la hausse de l'euro face aux devises autres que le dollar américain, les surcapacités du marché, mais aussi les attentats en Europe qui se sont multipliés depuis l'attaque contre l'aéroport de Bruxelles fin mars. Par ailleurs, le résultat d'exploitation d'Air France KLM est passé dans le vert au premier semestre à 218 millions d'euros contre une perte de 238 millions d'euros au premier semestre 2015. La compagnie tricolore renoue avec les bénéfices en 2015, une première depuis 6 ans, souligne-t-elle.